on a droit à la vie, on met la possibilité aux gens de vivre. Madame, toi, tu n'es pas venu pourquoi? Tu peux aider la vie, là? On a fait quoi? Moi, où est-ce que tu ne connais pas? Elle, son bébé, mangeait avant, ça devait s'occuper. Mon nom, on est à bon. Les gens, on est dans le monde, on ne peut pas donner, on est dans le monde. Moi, oui. Tu n'as pas laissé son chéri. Vous en dites au cas. Mon Dieu, dis aux gens qui m'ont laissé la devenir. Toi, tu assises. Le yon a mis au bout, quand le record, oui, le rosso, quand il m'a l'air, il n'y a plus là-bas. Et puis tu n'es pas venu. Mais il veut dire qu'il n'y a plus rien au point. Elle vient penser que c'est les gens des arrogos au roi qui devaient venir. Comment c'est ce qu'il a dit? Non, les gens des arrogos sont bien, c'est ça? Si, c'est ce qu'on entend. J'étais sorti avant. Comment tu faisais avant? En fait, j'ai réalisé quand j'ai pas dit que sorti ne change pas. Pourquoi quand vous avez la bouche dans le haut, le haut, il a ouvert. Avant, tu faisais quoi? Il me transforme. Il me transforme en oiseau. C'est tout. Et puis mon enfant aussi se transforme. Je te dis là. Il ne sera pas pour ça qu'on lui a l'homme et l'homme, parce qu'il est en train de répéter. Il s'est transformé en quoi? Il se transforme en chat. Si on te dit là, il est en yéou. D'avant. Oui. Et aller manger. La fois sortie du vent, aller manger. On pourrait mieux nommer le dicador. Maintenant ça va. Oui. Et si on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Un travail a été fait dans ce village, dans toute cette région. Nous sommes en plein ratissage. Nous avons la vie. Avant, c'était un carnage. Les funérailles ont commencé à démarrer à partir de mercredi, c'est ça? Les enterrements commençaient jusqu'à dimanche. On faisait des réservations de places au cimetière. Aujourd'hui, au lieu des veillées funèbres, c'est des veillées à la gloire de Dieu. Amen. Nous avons son nom de mercredi pour célébrer la victoire de Dieu. Et le monsieur, je vais en aller manger. On peut changer. Mais regarde, il n'est plus chat avant de dire. Il n'est bien grand ou où sortait pour aller manger sa grand-mère. Oh, pas moi, le gars, il n'y a pas de bon. Quand on parle de la sorcellerie, ça fait bizarre aux gens, ils ne comprennent pas. À casser le coup de ça, il y a des serviteurs. Amen. Voilà, je vais présenter Augustin, ça va, Augustin? Il a fait l'arrivée de Paris. Je vous envoyer une fois ici les habits. Ça fait sa deuxième fois ici. Oui, c'est à cause de lui, je ne trouve pas de voiture. Amen. Voilà, ça va? Tu le joues quand? Je sais pas trop. Peut-être qu'on ira ensemble. Voilà, va t'asseoir. Tu as quelque chose à dire à la maison des avocats? Je veux juste dire bonjour. On est un bien beau.
C'est un plaisir pour moi d'être là. Et de, au revoir, maman. Beaucoup plaisir aussi. La dernière fois, je suis à la pause dans la nuit. Là, c'est dans la nuit. Ouais, il m'a mis beaucoup en matière de tuer. Amen. Sinon, Paris c'est prêt, il y a des boucles. Sinon, tout est prêt. Quand il s'est prêt, c'est que tu as tout. Je serai bientôt en France. Je visiterai 4 villes. Là. Avant, tu m'appelais parce que j'ai bouclé avec les préfectures de police de Lyon. J'ai trouvé des salles à Lyon, en Marseille. Et à Paris, même, j'ai trouvé des salles. À Bordeaux aussi. Les tout alors, Bordeaux, on est à l'air de vous. Tout bouclé pour que j'arrive en France, tout est bouclé. Les inamis ont dit ça, mais pour la nuit. Je ferai 5 prochains en Italie. Les tout alors, Italie, les inamis. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Nous allons nous tenir debout ce matin, on se tenir debout. Allez, nous vous accablez. Et tu sens fatigué. Oh, on ne va pas te fatiguer. Dis Amen. 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 Jacob a lutté avec l'ange toute une nuit. Jacob a lutté avec l'ange toute une nuit. Et son petit matin qu'il a été béni par Dieu. Son passapillé, on y est de nuit. Qu'on appelle Laurent. Le matin, le bonheur Laurent. Le passapillé. Amen. Chacun d'entre nous a une destinée. Comprends pas quoi, le Dieu a pas compris. Et Satan a décidé, la sorcière a décidé. Le boucan le meilleur. Le petit pas. Va, qu'on a zéné de vous. Ça, c'est le plan du diable. Mais les deux venus en soi. Il t'a envoyé même une maladie. Et tu meurs. Non, même que vous voulez. D'une mort atroce. Et une fille de l'œil. C'est toi qui vas te révolter dans la prière. Non, minus de Bible comme ça. Tant que tu ne te révolteras pas dans la prière. Encore nous bien. Tu ne feras rien pour toi. D'accord, d'accord. Quand vous lisez l'histoire de la parole de Dieu dans la Bible, la Bible même, c'est... toute fois qu'il y a eu une intervention de Dieu, l'avocat qui nous sait que la personne a crié. Il y a la porte, alors la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur donc, la voix là, sera sauvé. On ne peut pas dire. Si tu veux être sauvé, ce matin, délivré d'une situation, même ça. Il faut que tu cries à l'Éternel. Amen. Nous allons prier ce matin. Amen. Nous allons prier ce matin. Il faut que Dieu ouvre encore des portes. Des grandes portes de bénédiction. Qui veut être béni? Alors, allons nous parler. Alléluia. Qui veut être béni? La chose que je déteste, c'est la pauvreté. Amen. Amen. Oh, le temps va programmer les choses sur ta vie. Les deux vrais ont encore une carrière. Dieu t'a créé la grande noix avec une destinée. Le oignon est un peu comme lui. Tu as une étoile. Et c'est cette étoile qui a été étouffée par les nains. Et tu es là. Le tu ne fais rien. Le nous a fait. Dieu aussi ne fera rien pour toi. Et tu as mis peine et tu as la voilà. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la bouche ce matin. Tu vas prier comme si tu n'avais jamais prié. Crier à l'Éternel. Invoquer le nom de Dieu. C'est là là-bas. Tu vas crier. Là-bas. Et demander à Jésus de t'aider. Tu vas demander à Jésus de te délivrer. Tu vas demander à Jésus de te délivrer ce matin. Tu vas demander à Jésus de te délivrer ce matin. Tu vas demander à Jésus de te délivrer. Va demander à Jésus de te délivrer ce matin. Ouvre la bouche et prions le Seigneur. Ouvre la bouche.
Il y a l'homme.